Et voilà les amis, donc la Mustang GT cabriolet, donc Mustang GT V8 5 litres, cette fois-ci on l'a prise en décapotable. On a voulu braver la pluie et le temps de merde de ce début juin, donc avec une auto plaisir. On s'est dit pourquoi pas. Donc on a une très 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 jolie config. Je vous montre ça très rapidement avec l'intérieur tabac. Je crois qu'on a la config parfaite de cette Mustang GT. Vous savez qu'on a adoré la Mustang Fastback et pour l'instant le bilan est très très bon sur cette Mustang cabriolet, pas pour le prix. Alors cette Mustang V8 en convertible, ben, c'est le dérivé donc décapotable de la Mustang Fastback qu'on connaît bien, qu'on avait essayé fin d'année dernière pendant quelques jours et qu'on avait beaucoup aimé, notamment donc dans la version V8 avec ce moteur qui glougloute, qui est assez volontaire dans l'ensemble, qui est quand même plutôt sympa à l'utilisation. Et du coup, donc cette version décapotable, c'est pas tout à fait la même chose. Elle met moins l'accent sur le sportif et elle met plus l'accent sur le cruising. Très clairement, c'est une auto qui est carrément jolie. Ça lui va bien l'aspect décapotable, même si j'ai une grosse préférence pour le coupé qui est juste magnifique question ligne. Le décapotable, la version décapotable est plutôt réussie. Et pour moi, ça fonctionne. On a des lignes qui sont très droites, une voiture qui est très musculeuse, qui est vachement imposante. Et c'est quand même pas mal du tout ça. On a donc là sur celle-ci le V8 qui glougloute, qui vous berce un petit peu les oreilles. Il en fait pas trop, on aimerait qu'il en fasse un peu plus, mais c'est déjà quand même pas mal. Après, au niveau du comportement, on n'est pas du tout sur une auto aussi sportive que le coupé. Très clairement, avec l'ablation du toit, la rigidité torsionnelle en prend un coup. Donc c'est une voiture qui, quand on roule un peu vite, quand on la provoque un peu, a tendance à danser, à se tordre. Elle est assez susceptible au niveau du train arrière, même si effectivement, elle reprend les trains roulants du coupé avec pour la première fois donc ses suspensions indépendantes à l'arrière, qui lui donne un comportement très sain, assez sûr, mais toujours un petit peu joueur, notamment en V8 avec ce moteur plein de couple qui développe 420 chevaux et plus de 500 Nm. Donc c'est vraiment pas mal du tout. On a une belle proposition de la part de Ford donc sur cette Mustang décapotable que j'ai adoré également. Mais pas tout à fait de la même manière que le coupé. C'est vraiment une auto qui met plus l'accent sur le cruising, capote ouverte. Là, je sais pas si vous avez pu voir, mais on a eu un temps de merde pendant 2 jours. Paris est inondé, les voies sur berge sont complètement inondées et là il pleut depuis 2 jours. Là on a juste un petit passage où il y a une très très légère bride, mais pas de pluie. On pourrait décapoter, mais malheureusement il fait pas chaud, il fait 14 degrés. Voilà, on est le 3 juin. Merci les amis. Donc très très bonne voiture cette Mustang décapotable avec une bande son à l'américaine qu'on aime beaucoup avec ce V8 qui glougloute. On pourrait peut-être pas l'entendre. C'est pas énorme, ça claque pas comme un échappement libre, mais c'est suffisant et ça fait suffisamment de bruit pour s'amuser, pour être bercé justement par cette mélodie. Et c'est suffisant également pour rester discret, parce que c'est une voiture avec laquelle on vous regarde très clairement. Donc voilà, on a adoré cette Mustang V8 parce que c'est une formidable cruiseuse, elle a un moteur génial, elle peut être joueuse, donc on peut s'amuser pas mal avec. Les points faibles, on va dire la conso. Là, on fait beaucoup de villes, donc on est entre 18 et 20 litres. En général, comptez 13-14 litres sur du mixte avec une conduite normale, on va dire. Et l'insonorisation de la capote, alors qui est super étanche, ça, on a pu le vérifier.
Mais l'insonorisation de la capote sur les longs trajets autoroutiers, ça va poser problème parce qu'on entend. Alors ça pose pas de soucis en ville parce qu'effectivement on entend le V8, c'est très sympa. Mais sur les longs trajets, ça peut fatiguer. Et bon, après les longs trajets, vous ouvrez la capote s'il fait beau et puis vous vous laissez bercer par la mélodie du V8. Pas besoin d'autoradio. Il est toujours très bon, c'est toujours le système shaker qu'on peut retrouver dans le coupé. Toujours très bon, mais on l'utilise beaucoup moins étant donné que là, pour le coup, dès qu'on peut ouvrir la capote, on profite du son du V8, c'est génial. Donc, elle nous a beaucoup plu, cette Mustang V8 en décapotable. Pas sur le plan sportif, mais sur le plan agréabilité, hein, nouveau mot si ça n'existe pas. Sur le plan cœur, sur le plan cruising, on peut faire du cruising dynamique, mais on ouvre la capote, on profite du son du V8, on profite de la très bonne suspension, de la très bonne direction, qui est toujours directe, qui est franche, qui est un peu lourde, quel que soit le mode, mais qui est vraiment pas mal. Et question comportement, très franchement, c'est calqué sur le comportement du coupé, mais avec une rigidité torsionnelle bien moindre, étant donné que... il n'y a plus de toit, donc ça bouge beaucoup. Donc du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les amis. On n'a pas eu beaucoup de temps pour vous faire ça, on a essayé de faire au mieux. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci de nous suivre, merci d'être avec nous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.